Je me considère un petit peu comme un soldat des temps modernes, je me bats pour mon pays. Salut, je m'appelle Denis Gargaud, je fais du canoë slalom, je suis champion du monde et champion olympique. C'était les championnats du monde junior à Lofer en Autriche, dans les Alpes autrichiennes. C'était magnifique et mon survêt était trop grand. Pour moi, c'est une réelle fierté, un grand sentiment d'appartenance au drapeau, à la patrie, et je me considère un petit peu comme un soldat des temps modernes, je me bats pour mon pays. Lors de la cérémonie d'ouverture, notre porte-drapeau, Teddy, il a commencé à chantonner la Marseillaise et tout le monde a repris. Là, vraiment, je me suis senti au cœur même de l'équipe de France Olympique. Et pour moi, les Jeux étaient lancés et je me sentais drivé par cette force-là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a tous les sportifs qui sont réunis, ceux qu'on voit à la télé, ceux qu'on n'a jamais rencontrés, mais qui sont aussi des sportifs de très haut niveau. On mange à leur table, tu peux t'asseoir, discuter. Alors, tu peux rester soit entre Français, soit aller essayer d'aller discuter avec des étrangers. C'est très riche. On n'a pas le temps de voir tout le monde, tellement il y a d'étoiles. Juste avant de prendre le départ de ma finale, il y a un Slovaque qui fait un énorme temps, qui améliore le temps de la demi-finale de 4 secondes. Le speaker, je l'ai pris un peu pour un idiot et je me suis dit mais non, il s'est trompé, il sait pas lire. En fait, il a dû faire 2 secondes de mieux ou un truc comme ça. Et en fait, il avait vraiment fait 4 secondes de mieux. Et parce que je le savais pas, j'y suis parti comme si c'était battable et je l'ai battu. Elle a été quelques jours après, j'ai attendu que les collègues de ma discipline aient fini. C'était au Club France avec les copains de l'équipe de France qui avaient terminé. Et puis avec toute la famille olympique qui était venue nous encourager. Et c'est toujours un moment particulier. C'est tes jeux aussi, donc à toi de te les attribuer, de les vivre comme tu as envie. Et surtout, un proverbe que j'aime bien, n'essaie pas de ressembler aux autres, ils sont déjà tous pris. Vive l'équipe de France.